Franklin High Falls. She is a van station. 206 Bloomington Township, 8580 North Dunkirk Road. Where are you at, Mikey? They're supposed to. They're supposed to stop, and if they can, move over to the right-hand side out of your way. They don't always do that. Radio 1023. Mikey, it's before you get to the curve down here on the right. Looks like I got two vehicles. Mon équipe compte 120 agents. La moitié travaille en connexion avec les tribunaux et l'autre moitié sur le maintien de l'ordre et le travail administratif. Mon nom est James Kennedy et je suis le shérif du comté de Monroe. C'est une fonction élective que j'occupe depuis 2 ans. Avant cela, j'étais un officier de la police fédérale. J'ai été aussi chef de la police de Bloomington et chef de la police de l'université, et je suis également un avocat. La principale différence entre la police municipale et le bureau du shérif est avant tout la géographie de nos juridictions. Nous couvrons 394 miles carrés contre environ 25 miles carrés pour la cité, et j'ai la compétence de la prison également, où sont détenues les personnes en préventive ainsi que ceux qui ont été condamnés à de courtes peines. Il y a à peu près 300 détenus. Nous remplissons aussi des missions qui sont des vestiges de notre histoire, comme la collecte de taxes, des missions qui n'ont rien à voir avec la justice criminelle. Nous délivrons les citations des différentes cours de justice, ce qui est totalement différent des missions de la police municipale. Nous menons évidemment des enquêtes criminelles en dehors des limites de la ville. Nous pouvons aussi enquêter à l'intérieur de la ville. Le chef de la police et moi sommes amis depuis plus de 20 ans. Il y a aussi des agents de la police de l'État ou de la police fédérale. Eux n'ont pas les mêmes missions. Ils se concentrent sur les enquêtes. Dans ma prison, j'ai actuellement 8 personnes accusées de meurtre ou de tentative de meurtre. Un bon pourcentage d'autres sont accusés de délits sérieux qui peuvent entraîner des condamnations de plus d'un an de prison. Nous partageons les mêmes types de criminalité que toute l'Amérique. Mon budget pour toutes ces opérations est de 4,5 millions de dollars. Actuellement, nous essayons de réaménager la prison car elle est surpeuplée. Elle a été prévue pour 250 détenus et nous en avons 300 aujourd'hui. C'est difficile. En plus, le système de restauration n'est pas fonctionnel avec une cuisine au dernier étage et un seul ascenseur. Les gens en parlent, certains veulent une nouvelle prison, d'autres y sont opposés. Cette question sera tranchée par les politiciens et les électeurs, pas par moi. Je ne peux qu'exposer le problème, 300 personnes au lieu de 250. La Cour fédérale pourrait très bien dire qu'on n'a pas le droit d'enfermer plus de personnes et les juges auraient alors à autoriser davantage de libérations.
and that will create a lot of community problem. Ce qui pourrait provoquer beaucoup de problèmes dans la communauté. Il faudrait décider qui peut être libéré et pourquoi. Ça sera intéressant de voir comment régler ça.